Ces deux derniers mois, classe égale à Asher Elnoana, 44 ans, avait disparu des radars. Une absence qui a inquiété de nombreux fans car peu de temps auparavant elle avait fait une nouvelle descente aux enfers. Elle a notamment fait un séjour dans une clinique psychiatrique. Mais le 23 septembre 2021, la gagnante de la première saison de Loft Story, 2001, était de retour à la télévision. Dans Touche pas à mon poste pour notamment parler à son ancienne amie Sylvie Ortega. Et un détail a beaucoup fait parler les internautes, son look. Ce vendredi 24 septembre, son meilleur ami Eryl Breillé a donc tenu à la défendre. Certains téléspectateurs de C8 n'en ont pas cru leurs yeux en la voyant arriver. Loana était vêtue d'un haut en cuir noir, ceinturée sur le devant et style corset dans le dos. Le public avait ainsi une vue sur une partie de son ventre et le haut de sa poitrine. Sa coiffure a aussi intrigué avec une tresse qui faisait un effet négligé selon certains. Pauvre Loana, elle est dans un état, c'est quoi cette tenue? Comment ont-ils pu la laisser entrer comme ça sur le plateau? Il n'y a pas de styliste chez TPMP pour tenue. Coiffure, maquillage. Peut-on notamment lire sur Twitter. D'autres tweets étaient bien plus virulents, poussant ainsi Eryl Breillé, qui était aussi sur le plateau de Touche pas à mon poste, à briser le silence. Sur son compte Facebook, le sosie d'Elvis a ainsi posté en matinée, « Beaucoup parlent de la coiffure et de la tenue de Loana. Nous sommes arrivés très en retard à l'émission suite à un retard de notre avion. Donc du taxi-moto qui n'arrange rien, nous n'avons pas eu le temps de nous préparer. Et nous sommes directement passés en plateau. Donc avant de parler, posez-vous les bonnes questions. » Loana n'a quant à elle, pour l'heure, pas souhaité réagir aux commentaires. Ce n'est malheureusement pas la première fois que sa venue sur le plateau de Touche pas à mon poste suscite quelques moqueries. La dernière fois, c'est sa mâchoire qui a été moquée, poussant ainsi son ex-amie Sylvie Ortega à répliquer. Je suis outrée de lire une telle horreur. Ce message s'adresse aux internautes qui n'ont retenu comme seul défaut la mâchoire de Loana. Point. Quand vous aurez pris autant de coups dans la bouche par vos conjoints, l'ex-lofteuse avait accusé son ex-Fred Covin de l'avoir frappé. Note de la rédaction, revenez me voir afin que je puisse voir à quoi ressemblent vos bouches, s'était-elle indignée.